Good morning. Allez, Yiden, l'étude sur aujourd'hui le Nishmat Richard Ben Fortune Mazal, Claude Israël Ben Fortune Mazal, Rachel Batsara et Abraham Ben Shushan. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Rosh Hashanah, Perek Aleph, Mishnah Chet. Eilouen Absolin, Amsachek Bekubia, Omal Beberibit, Mafriche Yomin, Yonim, Vasocharei Shviit, Vaavadim. Zehaklal, Kol Edushan Rishak Sherala. Et je traduis directement, on parle du témoignage des personnes aptes à témoigner pour le renouvellement du cycle lunaire. D'accord, il fallait passer au Bedin pour témoigner qu'on a vu le renouvellement lunaire. Et on a vu dans la mission précédente qu'il y avait les liens de parenté, une marloquette. Est-ce que les liens de parenté invalidés pour le témoignage de la Lune? Pour l'alakha et tablikom chachamim, qui disait que c'est invalide, deux frères ne peuvent pas témoigner. Et maintenant, on va découvrir d'autres personnes qui sont encore invalidées d'après tout le monde. Elouen Absulim, telles sont les personnes qui ne sont pas aptes à témoigner. Amsachek Bekubia. Celui qui joue au dé, c'est quoi le problème qui joue au dé? C'est le problème, ce Bartenora rapporte ici, c'est le problème de jeu d'argent. Que celui qui joue à des jeux d'argent, il transgresse un interdit de voler Midera Banane. D'accord? Amsachek Bekubia. Pourquoi? Parce que c'est un problème qui s'appelle Asmarta Lokania. C'est une marloquette exactement de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui vit essentiellement de ça? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui occasionnellement le fait? Le Rambam rapporte que même si quelqu'un qui fait occasionnellement, c'est interdit. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on joue, j'ai pas l'intention de réellement. Je suis pas intègre sur le fait que si je perds, je vais laisser mon argent. Quand je joue, je suis sûr que c'est moi qui vais gagner. Donc du coup, quand l'autre, après, finalement, c'est lui qui tire les bons dés, les bonnes cartes, ben finalement, je ne suis pas intègre, juste bon, je me suis engagé, j'ai dit que j'allais parler, donc je grince un peu des dents et je laisse prendre mon argent. Il y a une part, un semblant de vol. Quelqu'un qui joue au jeu d'argent, du coup, il est invalidé pour témoigner. Vous m'avez Beribit est celui qui prête aussi avec intérêt. Celui qui prête avec intérêt... La particularité de cette Mishnah-là, c'est que même là, si cette fois-ci, c'est un interdit minatoire de prêter Beribit, mais malgré tout, les gens se le permettent, entre parenthèses, entre guillemets, parce qu'ils se disent que, ouais, il accepte de donner de plein gré, il n'était pas obligé, c'est lui qui a voulu emprunter pour gagner plein d'argent, et puis, malgré tout, toi, tu prêtes avec intérêt, tu te penses que c'est un interdit de la Torah, puisque tu as un appât du gain anormal, tu deviens inapte à témoigner, parce que, c'est comme Picsou quand il avait les jackpots qui s'affichaient avec les dollars dans les yeux. C'est la même chose. Tu vois l'argent, tu perds un peu la boule. Tu as une la Torah qui te dit ne fais pas, et tu fais quand même. Pour gagner de l'argent. Donc finalement, on peut facilement te soudoyer pour de l'argent. Donc on ne peut pas sonder sur ta parole. Il n'est pas sous la doute. Idem aussi pour le Mafrichayonim. Mafrichayonim, c'est ceux qui font voler les pigeons. C'est exactement le même principe. Il y a plusieurs avis dans la Gemara. Un des avis, c'est justement qu'ils faisaient des courses d'oiseaux. Ils avaient des oiseaux. Ils envoyaient les. Comme les champs de course avec les chevaux, et ils avaient eux, les oiseaux. C'est encore, j'ai vu dans un reportage sur la cache-route des poulets, quoi. Il y a encore dans des pays asiatiques où on fait encore des courses comme ça d'oiseaux. Ensuite, on avait Sochar et Juvit, c'est ceux qui font du commerce avec les fruits de la Shemitah. Ouais, et la Torah l'a dit, le Ochla et le Lesrora, on a le droit de les consommer, certes, mais on n'a pas le droit d'en faire du commerce, de les vendre de manière flagrante au chouk, c'est défendu. Donc du coup, de nouveau, même principe, l'appât du gain, ça te fait tourner la tête, ça te fait perdre ta Yerachamayim, on ne peut pas sonder sur ta parole pour témoigner. Va'avadim et aussi les esclaves, tant qu'ils n'ont pas été affranchis. À la différence de la mission précédente, là-bas on parle d'un esclave affranchi, là on parle d'un esclave qui n'a pas été affranchi, donc il est inapte à témoigner. Ok? Et la Mishnah me donne en fait la généralité. Zéak l'altel est la généralité. Kol edut, shen aishak sherala. Pour tout témoignage où la femme n'est pas apte à témoigner, on va expliquer pourquoi. Afhen enan kshirimla. Eh bien, tous ces groupes de témoins qu'on a évoqués, ils sont aussi inaptes à témoigner. Donc, la réciproque, s'il y a des témoignages où la femme, elle pourra témoigner, eh bien, ces gens-là qui sont en théorie psoulin la edut pourront eux aussi témoigner. De quoi on parle exactement? C'est très simple. La femme, elle est inapte à témoigner. Elle n'est pas kshira pour les témoignages en général, c'est du dans Pasouk. Mais il y a certains témoignages où on accepte le témoignage de la femme. Essentiellement, le Bartonoï en rapporte deux. Il y a un témoignage qu'on aura l'occasion de quand on étudiera Yevamot,
de découvrir ça, le Edoticha, pour une femme qui vit Aguna, une femme que son, on ne sait pas ce qui est devenu avec son mari. S'il y a une femme qui vient et qui raconte qu'elle a vu son mari mourir, alors la femme, elle est crue pour ce témoignage, ça s'appelle Edoticha. Et le deuxième type de témoignage, c'est la Sota. La femme que le mari l'a avertie de ne pas t'isoler avec un tel, il l'a avertie, et il y a des témoins qui ont vu qu'elle s'est isolée, on ne sait pas ce qu'ils ont fait dans la chambre. En théorie, il faut la faire boire. Et s'il y a un seul témoin qui vient et qui raconte que c'est pas la peine de faire boire, on a vu ce qui s'est passé. Et ils sont crus, et là, pour ce témoignage-là, même la femme aussi, elle est crue. Et en l'occurrence, la Mishnah mentionne que même tous les gens qu'on a évoqués, qui sont psoulim la Edout, en temps normal, cette fois-ci, sont cachés pour ces deux témoignages. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.